Can someone tell me why? Every time I fall in love, it seems to be at the wrong time. You walked into my life, and I knew right then and there I wouldn't get you off my mind. But then I looked you up, and there she was, in your arms all cute and stuff. You got someone. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour l'anniversaire de ma fille qui a eu 8 ans, on a préparé un bon gros gâteau à la framboise. Qu'on a fait une génoise, qu'on a garni de crème végétale à base de crème de coco et de yaourt végétal. Et on a mis plein de framboises. Prochainement, dans une vidéo, je vous mettrai des recettes de gâteaux de fête, dont celui-ci. Chez nous, les enfants mangent tous les matins des fruits. Donc là, par exemple, je prépare une purée de fruits crus de poire à l'Umeo. Ce matin-là, Satine avait décidé de se préparer un mandala de fruits, donc je lui ai coupé une pomme, banane et clémentine, et elle a préparé son petit mandala. Donc ce sont toujours des choses très simples et en même temps, c'est la meilleure façon de commencer la journée pour nos enfants. Et on essaye de varier tous les jours avec des smoothies, des purées de fruits, des boules de dattes. Ici, on a écrasé une banane avec un petit peu de framboise, un peu de yaourt végétal, un filet de sirop d'érable, quelques pépites de chocolat pour la gourmande. Moi et Thomas, on ne mange rien le matin. Je bois beaucoup d'eau dans la matinée. Et la première fois que je mange, c'est en fin de matinée. Alors, soit un jus, soit un fruit avant de manger. Alors, ce matin-là, on était au marché. J'ai trouvé plein de bons fruits et de légumes. Des courges, du chou-fleur, des brocolis. Et ensuite, j'ai attaqué le jus de l'apéro avec des oranges, des pommes, du persil, des carottes, un peu de fenouil.
vous montre rapidement ce qu'on a dans notre petite pharmacie actuellement. Donc en période automne-hiver, on va prendre des complexes de multivitamines et minéraux, chacun sa petite boîte. On a aussi de la spiruline et de la vitamine C. Satine a également ses vitamines et minéraux qu'elle prend en automne-hiver. Et on a un petit complexe d'huile essentielle à diffuser pour le soir, qui est apaisant. Actuellement, on prend aussi du zinc en ampoule, en petite cure. Et on a également toujours dans notre pharmacie de l'extrait de pépins de pamplemousse, de l'échinaforce pour renforcer son immunité et de l'échinazore et expectozore en cas de maladie. Voilà, si on a un rhume ou autre, on va prendre plutôt ces complexes-là qui sont à base de plantes et d'huiles essentielles. Pendant la sieste du petit, Satine se repose et moi je vais à l'ordinateur et je travaille un petit peu. Ensuite, on part faire une longue balade pour bouger, s'oxygéner, jouer, découvrir. Satine n'a pas pu fêter son anniversaire avec ses amis et sa famille. Alors on a décidé de fêter plusieurs jours. Là, je lui refais un gâteau. C'est un cake au citron dont je vous mets la recette en barre d'infos. Et j'avais encore un peu de crème du gâteau d'anniversaire. Donc, je l'ai utilisé pour faire le topping avec quelques noix. Paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Je vous donne un autre exemple de topping qu'on peut faire. Ici, c'est sur un gâteau à la carotte que je réalise souvent quand je fais des jus avec la pulpe de carotte. Et donc, j'ai pris du yaourt végétal à la grecque. Je rajoute un petit peu de sucre et voilà, le tour est joué. C'est beau et c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye bye. As much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to